Salut les poilus! Creusez vos tranchées, on revient aujourd'hui sur une période sombre de notre histoire, la Première Guerre mondiale. Il s'agit donc de Soldats Inconnus, un jeu dématérialisé, développé par Ubisoft Montpellier et sorti le 25 juin 2014. Mais tout de suite, je vais commencer par rassurer ceux qui seraient tentés mais qui n'auraient pas encore sauté le cap, notamment à cause d'une polémique à la con comme le web les affectionne. C'est parti! Ah, le web, une formidable banque de données. On peut y trouver des tas d'informations super utiles, on peut y rencontrer aussi des gens très très sympas, mais on y lit également pas mal de conneries. C'est ainsi que sur les forums, la rumeur s'est répandue comme quoi Soldats Inconnus serait un jeu amputé de sa fin, carrément, et que cette fin arriverait plus tard sous forme de DLC payant. Alors c'est sûr, dit comme ça, c'est super choquant, sauf que c'est parfaitement faux. Soldats Inconnus a un début, un milieu et une fin, il se suffit à lui-même tel qu'il est sorti. Il est composé de 4 chapitres, un cinquième devrait arriver en DLC plus tard, ça c'est vrai. Mais en l'état, ce cinquième chapitre n'est absolument pas indispensable pour comprendre l'histoire et en voir la fin. Alors après, on peut trouver à redire sur le principe même des DLC payants, et ça je n'irai pas contre, mais faut juste arrêter de dire des conneries. Voilà voilà, donc cette petite mise au point étant faite, on peut entrer dans le vif du sujet. Il aura fallu attendre la commémoration du 100e anniversaire pour que le jeu vidéo daigne enfin s'intéresser à la Première Guerre mondiale. Contrairement à 39-45 qui semble beaucoup plus bankable et qui possède ses têtes de proue, 14-18 est largement sous-représenté. C'est même, à ma connaissance, le premier jeu qui en parle. Il faut dire qu'il est sans doute beaucoup plus facile de taper sur de gros méchants nazis, alors que ça devient un peu plus délicat pour une guerre qui n'a eu finalement pas vraiment de gros salauds. Et par les temps qui courent où personne n'ose plus dénoncer grand-chose, ceci explique sans doute cela. Bref, ce qui séduit instantanément dans ce Soldats Inconnus est sa direction artistique, qui prend la forme très originale d'une BD interactive. Le thème et le parti pris évoquent à l'évidence les œuvres de Jacques Tardy, bien que le style graphique ne soit pas le même. Soldats Inconnus possède ainsi un très grand charme visuel qui met en contraste de jolis paysages bucoliques avec la cruauté de la guerre. La portée est immédiate et on se prend au jeu très facilement de ce fait. Les dialogues sont déclinés sous forme de bulles très très claires, soutenues par des voix à la limite de l'onomatopée pour des répliques souvent tordantes. On y trouve l'accent berrichon, l'accent bourguignon, il y a là-dedans une réelle saveur, il y a le terroir de France et c'est rafraîchissant de trouver ça dans un jeu vidéo. Donne-moi le bignou ! Allez ! Le cléo ! Venez, mon temps ! Donne-moi le bignou ! Pas de brignole pour toi, le bigorneau. Eh, dis donc, pas le temps, bignon ! Les voix sont assez rares dans le jeu, d'ailleurs, sauf à plusieurs moments clés que je vous laisse le soin de découvrir. La bande sonore est par ailleurs de qualité, avec des thèmes musicaux tantôt émouvants, tantôt héroïques, soutenant toujours l'action de façon impeccable. Les compositions orchestrales sont vraiment de toute beauté. On y trouve aussi des thèmes populaires, des thèmes connus, qui sont intelligemment utilisés. Alors sur la forme, il n'y a rien à redire, c'est vraiment du bon boulot. Le jeu est très joli et délivre à l'évidence une identité artistique à part, aussi bien visuelle que sonore. Vraiment du bon boulot. Sur le fond, c'est aussi remarquable. Le choix opéré ici de privilégier l'humain et sa sensibilité, de raconter la grande histoire par la petite, est des plus intelligents. Pour dénoncer toute l'horreur de la guerre, l'impact est en effet bien plus cohérent et sincère que si les développeurs en avaient fait un jeu de guerre au sens littéral. Soldats Inconnus se présente donc comme un jeu à énigmes, plus proche d'un point and click, même si on contrôle ici les personnages de façon directe.
La très grande force du soft est de proposer un documentaire solide sans jamais oublier son rôle premier de jeu vidéo. À ce niveau, c'est exemplaire car l'équilibre est vraiment très réussi. Tout en s'amusant, on apprendra donc ainsi pêle-mêle l'origine de l'expression « retour de manivelle », le rôle important que la guerre a joué dans l'émancipation des femmes, ou encore cette méthode étonnante pour lutter contre les gaz utilisés à l'époque, qui consiste à imbiber un chiffon d'urine et à se le mettre devant le nez pour protéger les poumons. Bon appétit. Il y a plein d'objets à récolter, plus ou moins cachés, pour en apprendre plus, ainsi que des documents réels très poignants comme les lettres écrites par les soldats. Non seulement c'est intéressant, mais ça rend l'exploration payante. Donc vraiment, encore une fois, c'est un excellent équilibre entre documentaire et jeu. Au niveau des énigmes, bon, on va pas se raconter d'histoire, on n'est pas dans un Myst, et vos neurones ne souffriront pas trop. Ce qui est appréciable ici est qu'il s'agit de logique, on reste toujours dans le contexte, ce qui ne nous éloigne pas trop du discours global et nous permet de garder le fil. Alors ce qui ne veut pas dire que vous ne bloquerez jamais, faut quand même réfléchir un minimum, et d'ailleurs un système d'indices permet de toujours s'en sortir, même si 9 fois sur 10 ces indices interviennent après la guerre, passez-moi l'expression, car on a déjà découvert par nous-mêmes les diverses solutions avant qu'ils n'apparaissent. Soldats Inconnus varie aussi très bien son action avec diverses épreuves d'adresse, d'infiltration, de tir ou de conduite de véhicule, tout en sachant conserver un rythme agréable. On a parlé de rupture de ton régulière, mais très sincèrement, celles-ci ne sont pas gênantes, bien au contraire. On trouve quelques séquences rigolotes et inspirées, et il y a juste quelques passages de tir au canon que j'ai trouvé carrément incompréhensibles. Mais ça reste heureusement anecdotique au sein même du titre. Le tank, en revanche, est super fun. La maniabilité, quant à elle, pourra paraître un peu lourde au début du jeu, mais on prend tout ça très facilement en main et ça passe finalement très bien. Donc tout ça, c'est du très bon boulot, encore une fois. En l'absence de comparatif possible niveau jeux vidéo, c'est surtout à des films que j'ai pensé en jouant, comme Joyeux Noël de Christian Carion, qui raconte l'histoire vraie d'une trêve ayant réuni les soldats des divers camps pour un moment de complicité inoubliable, ou encore Cheval de guerre de Spielberg, dont l'une des séquences du jeu me paraît être directement inspirée, avec Walt le chien pris dans les barbelés. Le Pantalon, un téléfilm d'Yves Boisset, est aussi très intéressant pour démontrer la réelle absurdité de la guerre. En s'éloignant du sujet, on notera que le thème principal du menu n'est pas sans évoquer la bande sonore d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, et le narrateur qu'on peut entendre dans le jeu est le même que celui du Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano. Alors je vous conseille tous ces films-là, même si les derniers cités n'abordent pas le même sujet, mais ils sont quand même géniaux. Si j'ai fait ce préambule en citant ces films, c'est parce que l'une des cibles essentielles de Soldats Inconnus est de chercher à nous émouvoir, de chercher à nous faire réfléchir sur la guerre, et aborde donc les mêmes thèmes que les grands films cités. Le jeu raconte l'histoire de plusieurs destins croisés, pas des héros, pas des guerriers sans pitié, mais des gens du peuple, des gens simples, humbles, fragiles, qui demandaient tout sauf de faire la guerre, et qui se retrouvent plongés dans l'horreur, malgré eux. Les personnages sont attachants, touchants, on ressent vraiment une très grande empathie dès le début. Hélas, je ne sais pas trop pour quelle raison, mais on remarque qu'une certaine lassitude finit par s'installer dans le jeu au bout de quelques heures, et l'empathie en pâtit. Haha, jeu de mots. L'empathie a en effet tendance à s'estomper au fil de l'aventure, et l'émotion tant attendue peine à plusieurs reprises à fonctionner. Et je vous cache pas que j'ai trouvé ça dommage. En fait, étant naturellement très sensible à ce genre d'histoire, j'attendais pas mal de ce point de vue, et j'ai regretté la plupart du temps de me trouver face à un jeu plus touchant que véritablement poignant. Soldats Inconnus use de pudeur, cette même pudeur que le cinéma utilise quand il veut échapper aux foudres de la critique qui n'aime pas le pathos, le larmoyant, le lacrymal radical. Mais quoi de plus frustrant qu'une émotion qu'on sent poindre par une œuvre qui malmène notre corde sensible sans qu'elle puisse s'exprimer vraiment. En d'autres termes, quand on nous ouvre le cœur, on aime bien sortir une petite larme pour soulager. Je pense que le traitement BD nuit aussi à l'impact émotionnel du titre. Les personnages sont trop figés par le dessin,
et certaines séquences tombent ainsi à plat, là où le simple regard d'un acteur aurait suffi à nous faire fondre en larmes. Heureusement, la fin est très réussie à tout point de vue et rattrape un peu tout ça. Et là, pour le coup, ça fonctionne parfaitement. J'aurais juste aimé être un peu plus ému au cours de l'aventure, mais bon, ça reste subjectif, et le soft remplit tellement bien son contrat sur tout le reste qu'on ne saurait vraiment le lui reprocher, et j'ai vraiment pas envie de cracher sur ce jeu qui mérite d'être découvert. Soldats Inconnus est un jeu intelligent qui brille à établir une balance parfaite entre documentaire et gameplay fun, simple et efficace. Il n'oublie jamais d'être avant tout un divertissement, tout en proposant une documentation solide. Les thèmes abordés sont forts et adultes, et la Grande Guerre est si peu représentée dans le jeu vidéo que le titre d'Ubisoft fait figure de pionnier à ma connaissance. Le soft est une véritable BD interactive et frappe d'emblée par sa direction artistique impeccable et originale. Le charme visuel et auditif opère instantanément et on se prend très facilement au jeu. Jeu d'énigmes très sympathique à défaut d'être retorse, Soldats Inconnus raconte la grande histoire à travers la petite avec divers destins croisés de gens pris dans la tourmente. Les personnages sont très attachants, touchants et l'empathie prend très vite. Hélas, on regrettera que celle-ci ait tendance à s'estomper sur le long terme avec des séquences émotionnelles qui usent de trop de pudeur pour susciter une émotion véritablement poignante. Fort heureusement, la fin du jeu rattrape ce point précis et s'avère très réussi à tout point de vue. Alors notez donc que le jeu a une fin et qu'il ne sera pas nécessaire d'acheter un DLC comme la rumeur le laissait entendre sur les forums. Au final, Soldats Inconnus fait aussi fort dans son divertissement que dans son documentaire et sait varier les plaisirs en proposant diverses séquences allant de l'adresse à l'infiltration en passant par le jeu de rythme. Je lui donnerai un joli 15 bien mérité, tout en saluant la sincérité avec laquelle les développeurs ont traité le sujet. En ces temps troublés, notamment ces derniers jours, Soldats Inconnus arrive à point nommé pour nous rappeler le sacrifice de nos aïeux. À nous de faire en sorte qu'il n'ait pas été vain. Pour cela, rien de mieux que de vous essayer à ce jeu, pour retrouver un peu d'esprit patriotique pour ce si beau pays menacé de toutes parts. Ah, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et vive la France, les bigorneaux! Voilà, c'est bien. Il règne un enthousiasme communicatif et une fraternité que j'aurais aimé voir plus souvent en temps de paix. Je t'écrirai à nouveau dès que je connaîtrai mon affectation, afin que nous puissions correspondre. Embrasse mon petit-fils pour moi.